Que chacun qui vous manque les coulisses du biomédical. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où j'ai décidé de vous montrer quelque chose de super d'intéressant et j'ai décidé de vous parler des respirateurs. Donc les gars, nous allons continuer avec notre série de vidéos que nous avons commencé sur les respirateurs, sur les appareils de réanimation et qu'on avait dû interrompre à cause de la pandémie au Covid, parce que toutes ces machines que vous voyez derrière moi là, toutes ces machines-ci avaient été réquisitionnées en fait pour ces patients là. Donc maintenant que la pandémie est un peu baissée et que nous avons accès aux machines et par grâce même, hein, vous voyez la salle est un peu libre là, alors donc je suis donc venu pour vous faire en fait cette merveilleuse vidéo. Et les gars, je veux vraiment que vous soyez bien assis, bien confortable, parce que nous allons voir des notions très importantes de la réanimation et vraiment ce sont des informations que vous soyez technicien biomédical, ingénieur biomédical, infirmière, médecin, spécialiste, quel qu'en soit votre grade dans la santé. Alors je vous conseillerais bien de vous asseoir et de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. C'est une série de vidéos que nous allons faire parce que vraiment le sujet est vraiment costaud et nous voulons décortiquer tout jusqu'au moindre détail, de manière à ce qu'à la suite de cette vidéo, les gars, vous aurez une formation complète. Et rassurez-vous que les gars, ce sont des formations vraiment difficiles d'obtenir et qui coûtent énormément d'argent. Énormément d'argent, oui. Les médecins payent vraiment beaucoup d'argent pour aller se faire former en Europe, en Chine, en Amérique pour avoir ces informations. Donc nous allons aujourd'hui vous décortiquer en fait toutes ces informations, vous donner toutes ces connaissances, les gars. Et ceci, gratos. Et également pour mettre, n'est-ce pas, la cerise sur le gâteau, j'ai fait appel, n'est-ce pas, parce qu'il faudrait savoir, pour le comprendre bien, il faudrait savoir que sur African Time, nous sommes tous des techniciens et des ingénieurs. Donc moi, je suis technicien du biomédical, ça veut dire que mon rôle en fait est de faire quoi? Est de m'assurer que toutes ces machines-ci fonctionnent. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas qu'un jour on arrive à la réanimation et qu'on veut mettre un malade dessus ces machines-ci et qu'on dise que la machine en panne. Non. Mon travail est de m'assurer que ces machines-ci fonctionnent 24 sur 24. À chaque fois que le médecin a besoin pour sauver une vie, elle doit toujours être fonctionnelle. Ça, c'est mon travail. Mais maintenant, ce n'est pas mon travail de le paramétrer bien, de le mettre sur le malade. Là-bas, c'est le travail du spécialiste. Alors, parce que je voulais donc aller beaucoup plus en profondeur, donc je vais vous montrer toute sa technologie, comment il fonctionne. Je vais vous expliquer tout et vous-même, vous serez capable de l'utiliser, hein, aussi simplement que ça. Mais pour vraiment, en disant, donner à César ce qu'il y a à César. Et également, selon le conseil que l'une des personnes m'a également donné sur la chaîne, parce que j'ai fait des vidéos et puis il voulait vraiment si un spécialiste pouvait lui aider à interpréter en fait cela. Donc c'est pourquoi, donc sur cette vidéo-ci, j'ai donc fait appel au spécialiste, un médecin spécialiste. Il est médecin, c'est un anesthésiste réanimateur, c'est lui le chef de la réanimation ici. Vraiment, c'est un médecin excellent, Et nous avons fait appel à lui et il nous a promis en fait de venir. En fait, cette vidéo-ci, il devait même être là pour nous expliquer tout ceci. Mais seulement comme il est tellement occupé, il m'a promis que la prochaine fois, nous le ferons. Alors, j'ai donc voulu faire cette vidéo-ci d'abord pour vous donner les prérequis pour que lorsqu'il fera la vidéo, lorsqu'il sera là, vraiment, les gars, que ce soit de ouf. Donc, si vous voulez qu'il soit là, les gars, laissez ça en commentaire, hein, pour que lui-même, quand il va lui montrer cela, il comprendra qu'une vaste communauté l'attend. Et vraiment, il sera, hein, ça lui mettra une pression pour qu'il se libère pour nous aider, les gars. Donc, il va venir et il va nous expliquer tous les paramètres à l'intérieur. Il va nous expliquer même tous les paramètres, les fonctionnalités ou bien les constantes vitales d'un patient qu'il faudrait tenir en compte lorsqu'on veut utiliser une telle machine. Donc, il viendra, il va nous expliquer tout. Mais dans cette vidéo, si je vais vous expliquer toute la technologie, tous les prérequis, tous les connectiques, comment est-ce qu'il faut connecter tout ceci. Et après cette vidéo, vous serez totalement prêt à l'utilisation, les gars. Donc, c'est de ouf. Asseyez-vous confortablement. Et regarder cette vidéo aussi jusqu'au bout. Ok les gars. Et les gars, je pense que bon, là déjà nous avons déjà assez parlé. Et avant de commencer, j'aimerais d'abord vous dire, Ndiamé Modeste, c'est mon nom et je suis technicien biomédical. Et nous ici sur African Tech, nous vous expliquons toute la technologie
des hôpitaux, dans toute la technologie que nos médecins utilisent à l'hôpital pour pouvoir sauver nos vies, pour pouvoir sauver la vie de nos malades. Sur African Tech, nous vous expliquons toutes ces technologies, nous vous révélons toutes ces technologies et nous vous disons que rien n'est sorcier, les gars. Vous pouvez le faire et c'est accessible à tout le monde, les gars. Donc, Jamel Modeste, c'est mon nom et je suis technicien médical. Alors, pour soutenir ce gros travail, pour nous encourager, les gars, nous vous demandons rien du tout. Abonnez-vous simplement, likez, laissez-nous des commentaires. Vraiment, pour cette vidéo spéciale, laissez des commentaires pour que lorsque j'irai encore voir le spécialiste, vraiment qu'il soit sous pression et qu'il vienne nous aider, les gars. Alors, nous avons dit assez parlé. Vraiment, les gars, je vais encore vous rassurer. Asseyez-vous vraiment, prenez tout votre temps. Regardez cette vidéo jusqu'au bout. Ça va énormément vous aider. Après ceci, toute la réanimation, toutes ces machines, tous ces respirateurs, toutes ces choses qu'on entend parler sur le COVID-19, branchement, ça ne sera plus une surprise pour vous parce que vous comprendrez toute cette notion et toute cette technologie. Alors les gars, tout de suite, c'est parti. Et mes ingénieurs bio, une fois que vous avez donc déjà vu cela, alors nous allons donc, je vais donc vous présenter d'abord la machine globalement, n'est-ce pas? Je vais vous présenter, faire une présentation globale de toutes ces machines ici. Et ensuite maintenant, nous allons essayer, n'est-ce pas, d'aller paramétrer à l'intérieur, de voir les paramètres à l'intérieur. Et vous allez voir en fait comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'on peut faire ça, c'est comme un malade, n'est-ce pas, sur respirateur, ok? Et ceci en attendant que le spécialiste, évidemment, qu'on nous donne des informations vraiment, c'est un mélange, je donnerai toutes les informations qui seront utiles et nécessaires pour vous. Afin que lorsqu'on fera cette autre vidéo-là, que vous puissiez, n'est-ce pas, vous retrouver en fait dans ce que nous allons faire. Alors, nous allons donc commencer à ce niveau-ci très rapidement. À ce niveau-ci, c'est donc l'écran d'affichage. Et pour ce modèle-ci, il est tactile. Donc, il y en a deux. Il y a celui-ci qui est tactile. Il y a aussi celui-ci qui a écran tactile. Mais le reste, là, sont que à bouton à manuel. C'est pourquoi vous voyez tous les boutons là au bord, là. OK? Donc, je vais commencer ici. Je vais vous présenter vraiment tout globalement ici, puisque lui, il est déjà tout monté. Et puis, on va faire le même, de même pour le reste. Donc, ici, nous avons l'écran qui nous inflige donc toutes les informations avec les tracés de courbes et tout, comme vous pouvez voir là, les différents tracés qui sont là. Voilà, comme vous pouvez voir là, les différents tracés qui sont là avec toutes les informations dont nous avons besoin. Ok, cela nous indique là. Donc, si on veut même modifier quoi que ce soit, alors il nous suffit donc tout simplement d'appuyer. Bon, je vais d'abord mettre la pause. Ok, mettre au niveau vert. Vous voyez donc l'écran, il est tactile. C'est là qu'on peut donc tout paramétrer et tout contrôler. Ok, nous allons donc directement le remettre en fonction. Très bien. Donc, et ici, là, nous avons encore un petit clavier là, le bouton power qui nous permet d'allumer ou d'éteindre, le bouton, le voyant d'allumage et également un encodeur qui nous permet en fait de régler la machine. Très bien. À ce niveau-ci, très important, voici donc où est-ce que nous avons donc nos tuyauteries de connexion. Ok les gars, comme je disais, voici donc où nous avons nos tuyauteries, n'est-ce pas, de connexion. Très bien, là nous avons vu l'écran d'affichage, très bien. Et à ce niveau-ci, là nous avons donc deux sorties en fait, du moins trois. Donc c'est trois, c'est pas deux. La première sortie, nous avons la sortie inspiration, ok. Et ça c'est expiration, donc inspiration, c'est qui fait sortir de l'air pour aller au niveau du patient, dans les poumons du patient. Et expiration, c'est qui prend, c'est qui récupère l'air qui sort, n'est-ce pas, des poumons du patient. Très bien. À ce niveau-ci, là, nous avons donc le truc pour la nébulisation, ok. Donc là, c'est lorsqu'on veut mettre en patient sur nébulisation. La nébulisation, pour ceux qui ne le comprennent pas, c'est lorsqu'on veut associer, n'est-ce pas, à l'air ou à l'oxygène qui va au niveau des poumons du patient, on va associer à cela un médicament. Donc, c'est également à ce niveau-ci qu'on associe cela. Et lorsqu'on associe ce médicament, c'est en fait un médicament comme une sorte de pulvérisant pour pulvériser ses poumons pour des soins médicaux, donc pour traiter en fait ses poumons. Très bien. Et à ce niveau-ci, et là, ici en bas, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait tous les connectiques. Donc, ici en bas, nous avons en fait une sorte de... Son nom exact, je ne sais pas comment je peux l'appeler. Mais en fait, là, c'est comme une sorte de d'humidifieur et de réchauffeur en même temps. Donc, pour d'autres modèles, il permet en fait de... à l'intérieur, là, vous avez vu lorsqu'on faisait la vidéo sur le débitmètre à oxygène et que je vous avais montré comment est-ce que lorsqu'on mettait de l'oxygène, lorsqu'on branchait, n'est-ce pas, le débitmètre au niveau des prises d'oxygène, alors il y avait de l'eau qu'on associait à cela pour pouvoir faire quoi? Humidifier, n'est-ce pas, de l'oxygène avant de l'envoyer au patient. De même à ce niveau-ci, lui également, c'est un tank dans lequel il y aura de l'eau. Et cette eau-ci, là, n'est-ce pas, permettra, n'est-ce pas, de faire quoi? D'humidifier de l'air qui va au niveau des poumons du patient. Et en même temps, il a associé, n'est-ce pas, il y a une résistance chauffante à l'intérieur qui va également chauffer cette eau-là, qui va chauffer cette eau-là de manière à la vaporiser. Ok, donc ça veut dire qu'il a deux rôles, donc humidifier l'air qui va dans les poumons du patient et ensuite réchauffer cette air là. Donc qu'est dit chauffer cette air là, qu'est ce que cela veut dire? Ça veut dire que par exemple rendre cette air là qu'elle soit, n'est ce pas, comment je pourrais le dire ça,
proche de la température du corps humain à 37 degrés. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on met des patients sur les respirateurs, en fait, il y a des sondes qu'on les introduit jusque dans les poumons. Ok? Ça veut dire que ce n'est pas un masque comme au niveau des débitmètres comme on a eu à voir. Ce n'est pas juste un masque qu'on met sur les narines, non. Mais c'est une sonde qu'on les envoie par la bouche. Ou bien, oui, on les envoie cette sonde-là par la bouche et ça descend jusque dans leurs bronches. Dans les bronches de leurs poumons. Alors, il ne serait donc pas bon de les envoyer une air qui est humide, ou bien, je vais dire, non pas humide, mais je vais dire une air dont la température est un peu, comment je vais dire ça, froide, ok? Donc, lui, il a donc pour rôle de réchauffer cette air-là de manière à ce que l'air qui entre dans les bronches, dans les poumons du patient, soit proche de la température du corps humain et en plus de cela, que cette air-là soit humidifiée. Donc, qu'elle soit humide, qui est, parce que lorsqu'elle chauffe à l'intérieur, elle fait des bulles d'air, ok? De elle transforme cette eau-là, je vais dire, elle fait plutôt de la vapeur, de elle transforme de l'eau qui est à l'intérieur en vapeur pour pouvoir humidifier, n'est-ce pas, les bronches, les poumons du patient pour que ça ne s'assèche pas et en même temps aussi réchauffer également ses poumons pour que la température soit constante à l'intérieur. Ici, donc, c'est une sonde de température qui est donc branchée là, qui en permanence va donc mesurer la température de l'air qui passe pour aller chez le patient. Ici, c'est donc la tuyauterie qui va chez le patient. Et il faut savoir que pour ces machines-ci, il y en a en fait, là, je vais le démonter à ce niveau pour des soins de vidéo, pour qu'il soit beaucoup plus visible, ok? Pour qu'on puisse bien le voir. Donc, je voyez comment est-ce que j'explique comme ceci. C'est vrai qu'on verra encore la vidéo avec le spécialiste qui va bien tout expliquer. Mais je vais vous montrer pour que si vous comprenez à ce niveau, si tout le reste là, on va survoler et vous allez tout comprendre. Et vous-même, vous pourriez brancher un malade, n'est-ce pas, sur respirateur. Là, c'est d'abord les fondamentaux. Avant d'entrer même dans le principe de fonctionnement interne, de montrer les actions de maintenance, de montrer quoi que ce soit, il faudrait d'abord que vous compreniez correctement ces notions-ci. Donc, à ce niveau, il faudrait savoir que les respirateurs, pour se brancher, ont besoin de 5 tuyauteries. OK? La première tuyauterie quitte, n'est-ce pas, au niveau, nous avons dit qu'ici c'est la sortie de l'air, ça c'est la sortie inspiration, c'est-à-dire l'inspiration c'est le fait d'amener de l'air dans les poumons. Donc la machine à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va donc faire sortir de l'air qui va donc aller dans les poumons du patient. Donc nous avons donc un premier tuyau là, cette première tuyauterie ici là qui vient, et elle va donc entrer dans cet humidifieur, réchauffeur également, qui va dans lequel il y aura de l'eau, et cette eau-là sera portée à une température proche du corps humain et elle va se vaporiser. Donc là, elle aura deux fonctions de pouvoir humidifier les poumons du patient puisqu'il y aura de la vapeur d'eau dans l'air qui va aller dans ses poumons, et en plus de cela, de lui faire avaler une air qui est proche de la température du corps humain, puisque sachant que cette air va directement dans ses bronches, dans ses poumons, ok? Donc elle va donc, elle sort donc au niveau de la sortie expiration, donc l'air qui va chez le patient, ok? Elle passe donc par cette tuyauterie, elle entre là où elle sera réchauffée et associée à une légère vapeur d'eau, et elle va remonter, n'est-ce pas, par cette deuxième tuyauterie, là c'est la deuxième déjà, et elle va venir à ce niveau-ci. Très bien. Lorsqu'elle monte, la voici à ce niveau. Ici, c'est un truc qu'on appelle ça en anglais « water trap ». Donc, c'est un piège à eau, en fait. OK, donc vous voyez que lorsqu'elle sort de là, elle viendra donc entrer à ce niveau. Alors, à quoi est donc, quel est donc le rôle de ce piège à eau? Il y en a même deux là, OK? Le rôle de ce piège à eau est tout simplement que lorsque l'air passera dans la tuyauterie, alors elle va créer de la condensation dans la tuyauterie puisqu'il y a réchauffement à ce niveau. Et quand il y aura donc condensation, ça veut dire qu'il y aura donc des gouttes d'eau, des bulbes d'eau, et il ne faudrait pas que cette eau-là aille se déverser dans les poumons du patient. Ce n'est pas ce qu'on veut, hein? Imaginez qu'il y a de l'eau dans les poumons de quelqu'un, c'est pas du tout bon et c'est très dangereux pour sa santé. Donc, ce qu'on veut juste, c'est rendre l'air pour que l'air ne soit pas du tout sec. Donc, fait qu'il y ait une légère vapeur dans cette eau-là. Maintenant, donc, ce qui est certain, c'est que lorsqu'il y a déjà une chaleur, une source de chaleur, alors en se baladant dans la tuyauterie, l'air va, n'est-ce pas, créer de la condensation et il y aura des vraies gouttes d'eau. Il y aura vraiment des vraies gouttes d'eau, un peu comme si on avait mis une marmite au fruit, bien comme s'il y avait des gouttes de pluie. Alors, c'est donc là d'où le rôle de ce water trap, c'est-à-dire de ce piège à eau. Ça fera que toute la condensation qu'il y aura dans la tuyauterie viendra se reverser dans ce gobelet-ci, dans ce piège à eau-ci, et on pourra, n'est-ce pas, l'ouvrir, ok? Donc, je vais essayer de l'ouvrir, désolé, c'est parce que je filme avec une main et je travaille avec l'autre main. Et en plus de cela, j'ai une main qui est un peu malade là, ok? Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on l'ouvre, ok? Voilà, vous voyez donc à ce niveau, voilà. Voilà donc comment est-ce qu'on l'ouvre. Donc, lorsque c'est donc plein, vous voyez, voilà, très bien. Lorsque c'est donc plein, on l'ouvre comme ceci. Alors là, on peut donc aller le vider. Et une fois qu'on l'a vidé, on revient encore le reprendre là. Ok, je vais montrer l'intérieur, voilà. Très bien. Voilà, on pourra encore le reprendre là. Et puis, le refermer là, tout simplement.
Ok, très bien. Donc là, maintenant, vous comprenez le rôle. Donc, lorsqu'il sort de là, il va donc monter, venir entrer dans le premier piège à eau, où toute la condensation, donc tout l'eau qui sera produit par la condensation, viendra être bloquée là. Et maintenant, donc, elle va donc recontinuer maintenant par le troisième. Là, vous voyez que c'est là le troisième tuyau. Et maintenant, il viendra donc se brancher, n'est-ce pas, à ce coude en sorte de... Il viendra donc se rebrancher à ce coude-ci, en sorte qu'il est en sorte de Y, ok? Vous voyez donc cette coude-ci, en sorte de Y, et c'est donc là que la tuyauterie vient se brancher à ce niveau. Et à ce niveau-ci, nous avons deux petites ouvertures que nous pouvons avoir à ce niveau-ci, ok? Là, je vais le refermer. Ces petites ouvertures nous permettent en fait de pouvoir brancher des objets comme ceci, comme cette sonde de température. C'est la sonde de température dont je vous ai montré à ce niveau-ci. Parce que puisque ce dispositif est chargé de chauffer, de réchauffer un peu, alors il faudrait que lui-même en permanence, il contrôle qu'effectivement la température, je veux dire l'air qui va dans les poumons du patient, sa température est justement pour du sel du corps humain, c'est-à-dire à 37 degrés par exemple. Donc de ne pas excéder cette température. Donc pour le contrôler, alors cette sonde-là vient donc être branché là directement à l'air qui est près d'aller chez le patient. Il le mesure directement en permanence pour le réguler à ce niveau-là. Très bien. Donc là, si on l'ouvre, le voilà tout simplement. Et si il n'est pas mis, on va tout simplement fermer comme ceci. Ok, mais comme là, il est utilisé, on va tout simplement le remettre comme ceci. Correct. À ce niveau-ci, voici l'élément le plus important. N'est-ce pas, sur cette machine-ci, il est très important dans la calibration. Parce que lorsqu'on veut calibrer une machine comme ceci, ou bien que ce soit tout le reste là, le médecin ou bien le personnel soignant ne peut pas du tout travailler si ce qui n'a pas en fait un poumon artificiel. Donc ceci c'est ce qu'on appelle le poumon artificiel et c'est avec lui qu'on va calibrer toute la machine. Parce qu'on ne peut pas faire qu'on branche une machine directement sur le malade et puis on se met à calibrer là, non. Parce que qui dit que les informations qu'on entre là seront correspondantes pour le patient? Non, non, non. Donc on ne fait pas du tout cela. Donc la première des choses qu'on fait c'est qu'on branche d'abord le poumon artificiel, on paramètre toute la machine et qu'on se rassure que tous les paramètres fonctionnent correctement comme vous voyez là. Là, ça fonctionne, hein, je vais vous montrer. Donc, vous voyez comment tout ça fonctionne. Les tracés sont corrects. Donc, on obtient toutes les informations donc, à ce niveau-ci. Alors, lorsque c'est donc bon, on peut donc retirer donc, le poumon artificiel ici. Et c'est là que la sonde qui va dans les poumons, donc la sonde qui sort des poumons du patient, viendra tout simplement se brancher à ce niveau. Donc, ceci fait donc office des poumons du patient. OK? Et vous voyez, là, c'est en fonctionnement. Vous voyez comment est-ce qu'il se gonfle. Voilà, comme on dirait les poumons. Et il descend. Et au niveau de l'écran, nous avons donc, n'est-ce pas, toutes les informations qui sont parfaites et correctes. Donc, si j'avais donc un patient qui était couché sur ce lit, alors j'aurais tout simplement retiré le poumon artificiel et j'aurais connecté directement au malade. OK? Donc, c'est un élément très important. Donc, pour utiliser un respirateur, on a surtout besoin de lui parce que s'il n'est pas là, on ne peut pas du tout calibrer la machine. Donc, on ne peut pas faire qu'on branche la machine sur les poumons d'un patient pour calibrer, non. Ça veut dire que s'il y a problème, le malade peut mourir. Donc, on branche d'abord sur un poumon artificiel, on fait tous les réglages. Lorsque c'est bon, c'est parfait, alors on retire dans le poumon artificiel. Et tous les réglages qu'on fait, c'est en fonction des données du patient. Ça veut dire le poids du patient, sa taille, et toutes les autres données dont le médecin a recolté, par exemple, par rapport à ses poumons. Ça veut dire si, par exemple, il a des problèmes pulmonaires, s'il a des maladies pulmonaires, bref, toutes ces maladies-là, okay, des maladies cardiaques. Donc, le médecin, en fonction du dossier du malade, va donc paramétrer la machine en fonction des informations du malade et en mettant le poumon artificiel pour se rassurer que tout ce qu'il met là pourra bien fonctionner. Et une fois que le poumon artificiel, ça fonctionne parfaitement, l'écran nous le dit, les informations nous le disent toutes, alors on retire donc le poumon artificiel pour brancher dans le malade. Donc, à ce niveau, c'est donc ce qui va donc chez le malade que voici le poumon artificiel. Le voilà, ok, vous voyez comment est-ce qu'il fonctionne. Voilà, vous voyez, inspiration, il se gonfle, les poumons, expiration, il descend très bien. Donc là, on peut ajuster tout ça, on peut paramétrer encore tout ça. Et maintenant, une fois donc que il entre là, alors il va donc ressortir. Donc, ça veut dire que l'air est entré chez le patient. Allez, on attend encore un cycle. L'air entre donc chez le patient. Alors, lorsqu'il ressort donc de chez le patient, où est-ce que cette air-là vient passer? Cette air-là vient donc passer à ce niveau-ci, de ce côté-ci. Et il sortira donc, il reviendra donc dans ce deuxième piège à eau. Vous savez, c'est pourquoi je vous ai montré, il y en avait deux. Ok, il reviendra encore passer dans un second piège à eau pour que toute la condensation qui sera émise là puisse être piégé à ce niveau. Donc, c'est pourquoi lorsqu'on le branche, vraiment de manière à ce qu'il soit pendu. C'est pourquoi vous avez vu, j'ai un peu essayé de montrer qu'il soit pendu là, avec en même le sol là, pour que, de manière à ce que s'il y a de la condensation dans la tuyauterie, la condensation là sera obligée de descendre pour venir se déverser dans ces pièges à eau. Ok? En anglais, on les appelle des water traps. Parfait. Ok? Et maintenant, comme je vous ai montré tout à l'heure, en fait, on va tout simplement l'ouvrir et aller le vider. Donc là, c'était donc la quatrième tuyauterie par là. Ok?
qui venait entrer là. Donc, c'est la quatrième tuyauterie, n'est-ce pas? Puisque nous avons dit que la première, c'est l'inspiration, elle sort, elle entre dans le réchauffeur et humidifié en même temps, et elle va donc sortir. C'est la deuxième tuyauterie, entrer dans le premier piège à eau, ressortir. Troisième tuyauterie, venir au niveau des poumons artificiels, c'est-à-dire chez le malade. Ça, c'est la troisième tuyauterie. Et elle va ressortir. Quatrième tuyauterie, donc, elle revient entrer dans le second. Parce que voilà, le premier piège à eau, le second piège à eau, le quatrième et le cinquième, donc, lorsqu'il va donc ressortir. Là, c'est l'air qui ressort des poumons du patient. C'est-à-dire que ça, c'est de l'air carbonisé où on veut, qui est riche en carbone, n'est-ce pas? Et cette air, elle doit être déversée, n'est-ce pas, dans la nature. Donc, ça veut dire que cette air va donc remonter par cette autre tuyauterie-ci et venir entrer sur cette entrée pour expiration. Parfait. Donc là les gars, avec cette explication globale ici, alors je pense que lorsque le spécialiste pourra expliquer d'autres notions, vous pourrez le comprendre. À ce niveau-ci, donc, c'est un trépied, je ne sais pas moi, une sorte de potence. C'est donc lui en fait qui est donc chargé, n'est-ce pas, de retenir tout ça. Ça dit que ça se place là comme ça. On place celui-ci là, parfait. Et le deuxième, il est là. On le prend là, on le met tout simplement. On le met tout simplement comme ceci. Très bien. Ok, vous voyez. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et lorsqu'on le branche, on sera sûr que ceci soit vers le bas pour que toute l'air entre à l'intérieur. Donc, c'est pas parfaitement comme ça, mais on essaie de disposer ça de cette façon-ci. Donc, je vais donc tourner à l'arrière pour vous montrer, pour que vous puissiez maintenant voir au niveau de l'arrière. Parfait. Au niveau de l'arrière ici, sachez que les respirateurs maintenant, il y a en fait deux grandes choses en fait que vous devez comprendre au niveau de l'arrière. Il y a les respirateurs en fait qui sont des respirateurs ou colonnes d'anesthésie. Les respirateurs ou colonnes d'anesthésie sont ceux-là qu'on utilise principalement au bloc opératoire pour faire en fait des analyses. Je veux dire quoi, pour faire endormir des patients. Ça veut dire qu'ils ont le même rôle que celui-ci. Ils font le même travail que celui-ci, mais en plus du travaux qu'ils font, que ces mêmes respirateurs réalisent, eux, ils ont la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir introduire une troisième solution dite anesthésiante, c'est-à-dire la solution anesthésiante que... C'est-à-dire la solution anesthésiante que le patient, lorsqu'il va respirer, il va s'endormir. Mais ceux-ci, ce sont les respirateurs de réanimation. Ça veut dire que lorsque quelqu'un est dans le coma, il est inconscient en réanimation, on utilise, ok? Alors, les respirateurs donc, de réanimation, sachez qu'ils ont donc deux prises, en fait, d'air. La première prise d'air, c'est la prise d'oxygène. Ok, vous voyez, voici une prise d'oxygène à ce niveau-ci. Ça, c'est une prise de norme coréenne. Ouais. Ouais. C'est une prise de norme coréenne puisque nous avons, je vous ai montré, puisque nos prises murales d'oxygène là sont tous de norme coréenne. Je vais vous le remontrer très bien. Vous voyez, ça, c'est la prise d'oxygène. Elle est de norme coréenne. La prise d'air de norme coréenne aussi. Et ça, c'est la prise de vide médical, vacuum. Ça, c'est en anglais. Ok. Et lui, il est de couleur blanche. Ça, c'est sur un norme coréenne. Mais selon la norme française, c'est plutôt l'air qui est le blanc et c'est plutôt l'oxygène qui est le blanc et l'air est le noir. Ok? Vous allez voir ça ici. Je vais vous montrer cette prise. Voici donc les prises de norme française. Ok? Ou européenne. Vous voyez que l'air médical, il est de couleur noire. Vous voyez, il y a le noir là. Ça symbolise en fait l'oxygène. Si vous voyez même sur cette prise, si vous voyez. Le symbole noir là, c'est pour lui. Et ça, c'est pour l'air autant pour moi. Et celui-ci, c'est pour l'oxygène. Donc, si on ouvre là, vous pouvez voir à ce niveau-ci. Donc, il y a d'autres machines. Lorsque nous allons voir, vous allez voir, ces prises seront adaptées à ceci. C'est pour ça que nous avons ceci. Mais celui-ci, il est de norme coréenne. Pour ce que nous avons vu là, pour les prises coréennes. Très bien. Donc là, on va le brancher à l'oxygène. Bon, puisque lui, il est un peu éloigné, vous voyez toutes ces machines-ci, il est un peu éloigné de la prise. Alors, je vais le brancher lorsqu'il serait sur l'autre machine-là pour que vous puissiez le voir tout simplement. Et maintenant, à ce niveau-ci, oui, lui, le deuxième fluide, en fait, qu'il consomme, c'est en fait l'air. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe, en fait, à ce niveau-ci, voici ce qui se passe. Pour que vous le compreniez, je vais tourner pour que vous compreniez à ce niveau-ci. Regardez en fait ce qui se passe à ce niveau. Lorsqu'on met un malade sur respirateur, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a un paramètre que nous avons ici qui est très important. Je vais en fait un peu, voilà, il nous affiche les données là, non, annuler ici, oui, oui. En fait, il y a des données, il y a des paramètres ici là qui sont très importants. Et les paramètres en fait qui sont très importants ici, c'est au niveau de l'oxygène. Par exemple, lorsque on paramètre ici, nous avons paramétré à 20%. Bon, là, normalement, ça ne se fait pas. Ça se limite normalement à 21% parce que le taux le plus minimal, le pourcentage minimal, le pourcentage d'oxygène dans l'air ambiant est de 21%, ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si par exemple, on veut administrer 50% d'oxygène à un malade, alors les autres 50, c'est-à-dire que la machine va prendre 50% d'oxygène et les autres 50%, il va le compléter à partir de l'air,
filaire médical. Vous voyez, bon, je profite pour vous montrer ici pour que vous le compreniez bien. Ça veut dire que si la machine veut administrer, si on veut administrer 50% d'oxygène aux malades, alors les autres 50% seront complétés par l'air médical que voici. Vous voyez, par l'air médical que voici, et voici leur prise ici. Vous voyez comment la tuyauterie respecte sa couleur. Donc, le vert pour l'oxygène et celui-ci pour l'air médical. Parfait. Donc, c'est là. Si maintenant, on veut associer, par exemple, on veut peut-être administrer 60% d'oxygène, les autres 40% seront complétés par l'air. Si on veut administrer 80% d'oxygène, les autres 20% seront complétés par l'air que voici. Si on veut administrer peut-être 90% d'oxygène, les 10% seront complétés par l'air. Parfait. Donc, c'est donc pourquoi vous comprenez que tous ces respirateurs, si on donne deux prises, n'est-ce pas, il y a donc des prises pour air et des prises pour oxygène. Mais maintenant, sauf qu'il y a d'autres machines telles que celui-ci où il n'y a pas en fait deux prises. Ça dit que quoi? Lui, au lieu de prendre l'air qui vient de la prise murale qui est produit à la centrale, si vous avez regardé les anciennes vidéos, vous le comprendrez. Lui, il prend son air directement dans l'air ambiant. Ça veut dire que quoi? Lui, il capte de l'air ambiant pour compléter sur l'oxygène. Ça veut dire si on paramètre 50% d'oxygène par exemple à administrer aux malades, les autres 50%, lui il ne le prendra pas comme les autres là ont besoin de voilà, vous voyez les autres, il y a la tuyauterie qui va donc prendre au niveau de des prises murales là, non, lui il va prendre sa part d'air au niveau de, il va prendre sa part d'air à partir de l'air ambiante, vous voyez, c'est pourquoi vous voyez à ce niveau-ci là, très bien, vous voyez là, très bien, les ouvertures qui sont à ce niveau-ci. C'est donc là que lui, il prend pour lui. Parfait. Donc là, vous avez un peu compris. Ici, donc, c'est le bouton power où on allume. Et ici, ce sont en fait les différents connecteurs. Là, c'est le connecteur qui va au niveau du réchauffeur que nous avons vu ici devant. Très bien. Et là, c'est le connecteur power, c'est-à-dire pour la source d'alimentation qui, où il est connecté là-bas. Parfait, parfait, parfait. Ok, donc, et ça n'est de même également pour donc tout le reste. Donc, si vous avez donc vu, voilà, donc le respirateur globalement présenté. Là, c'est de la marque, là, c'est, ça, c'est une marque, je pense, chinoise. C'est Siari, ok, Siari. Oui, celui-ci. Bon, ce sont des marques peu utilisées, hein, des marques chinoises, là, c'est des marques peu utilisées. Bon, nous savons, les Chinois, ils font qu'envahir le monde. De plus en plus, on consomme leurs produits, mais ce sont les marques vraiment très peu utilisées. Mais cette marque ici, telle que les marques comme les Draiger, les marques comme les Evolution, voilà les plus grandes marques, n'est-ce pas, en termes de respirateurs. Ce sont des respirateurs vraiment assez fiables et assez robustes et sont les plus utilisés. Et ce sont des marques, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, ce sont des marques américaines. Donc, ce sont des marques vraiment que vous retrouverez, en fait, un peu de partout, américaines ou européennes, si je ne me trompe pas. Donc, sur eux, donc, à ce niveau-ci, vous voyez, donc, lui, son écran n'est pas tactile, oui, heureusement. Mais pour le second, Evolution, son écran est tactile. Et à ce niveau-ci, voilà, donc, où on introduit donc toutes les valeurs. Donc, à ce niveau-ci, ok, si vous me permettez, voilà. À ce niveau-ci, nous pouvons donc voir, en fait, ici, c'est en fait le volume d'air dans les poumons du patient. Voilà, ici, selon mon règle, le volume d'air des poumons du patient. En fait, j'ai dit toutes ces valeurs si le spécialiste, hein, je veux dire, le spécialiste, il arrive, je lui ai demandé, il m'a promis que nous ferons une vidéo dessus. Donc, il va nous expliquer toutes ces valeurs-ci et toutes ces fonctions-ci, ok? Et vous voyez, cela, c'est pour le pourcentage d'oxygène. Donc, si on veut le modifier, on appuie tout ce moment-là, ok? Et puis, on peut, voilà, vous voyez, on tourne au niveau de l'encodeur, on peut augmenter. Si je veux augmenter beaucoup plus, je peux aller. Si je veux diminuer, je dois me limiter. Si je descends, je ne peux pas aller au-delà de 21%. Parce qu'on sait que 21%, c'est le pourcentage d'oxygène dans l'air ambiant. Ok? Donc, je peux augmenter. Ok? Si je règle, par exemple, comme ceci, à 90% par exemple, si je valide là, ça veut dire que 90% d'oxygène sera admis au patient et les autres 10% qui restent sera complété par de l'air. Ok? Par de l'air médical. Très bien. Donc, là, nous avons ici les autres informations. Je m'en passe de vous les expliquer parce que le spécialiste viendra, ils vont nous expliquer, n'est-ce pas, également avec leur rôle médical, que ce soit les pipes, toutes ces choses-là, ils vont nous expliquer cela et vous comprendrez vraiment cela de manière très, très, très profonde. Ok, les gars? Donc, à ce niveau-ci, c'est en fait sont les différents boutons qui nous permettent en fait de régler, n'est-ce pas, les affichages, c'est-à-dire les tracés là. Je m'en passe de le faire parce que je ne peux pas le faire là. Pourquoi? Parce que je n'ai pas connecté tout cela. Donc, si je tente de vouloir le faire, il va indiquer en fait des erreurs parce que justement, il n'y a rien là et c'est normal, ok? Donc, pour éviter donc de démonter tout encore, revenir tout rebrancher là, c'est pourquoi j'ai pris toute la peine de tout expliquer là pour que vous le compreniez. Donc, c'est aussi le même principe là. Et sauf qu'à ce niveau-ci aussi, il est aussi de même marque que l'autre. Je vais dire, il est aussi de même qualité que l'autre temps pour moi, de même technologie que l'autre. C'est que lui aussi, il prend son air à partir de l'air ambiant. C'est-à-dire qu'il a de l'oxygène qu'il prend. Voilà, voici de l'oxygène qui est donc de marque, voilà, de normes coréennes, vous voyez, Draiger. Voilà, dans la prise d'oxygène, vous voyez que lui, il est différent. Et, ok, oh là là, je vais essayer de me faufiler vers le bas, aller à l'arrière de ces machines. Désolé, hein, les gars. Donc, c'est pas facile du tout. Ouais.
Ok, donc je vais donc m'approcher là. Ok, je vais donc dénouer ces fils. Désolé, hein? désolé. C'est que je veux montrer bien les choses. Ok, là, si j'ouvre donc à ce niveau-ci, voilà donc la prise d'oxygène, voilà donc où lui, il va donc venir tout simplement se brancher là. Vous voyez, très bien. Si je prends, vous entendez comment est-ce que l'air peut s'écouler là. Si j'ouvre, on appuie et on tourne. Parfait. Vous voyez, très bien. Donc là, c'est la prise de normes française ou européenne. Très bien. Et lui aussi, pour compléter, n'est-ce pas, l'oxygène, il prend son air à partir de l'air ambiant. Parfait. On va donc passer, n'est-ce pas, au troisième, qui est la Evolution. C'est aussi une très belle marque, tout comme la marque Draeger. Des marques très recommandées, très robustes, les plus utilisées. C'est vraiment des très très bonnes marques et c'est vraiment difficile de pouvoir les obtenir, surtout en ce moment où la pandémie au Covid-19 s'est éclatée. Donc voilà également le même truc, vous avez vu pour lui, vous voyez, voilà, ici, parfait, ici il y a même de l'eau à l'intérieur encore, vous voyez, il y a de l'eau à l'intérieur. Et lui, qu'est-ce qui se passe, il va donc chauffer, vous voyez même là, voilà les symboles, vous voyez, donc il va donc chauffer en fait cette eau-là pour les vapeurs, il faut le faire un peu, qu'il soit un peu de la vapeur pour humidifier de l'oxygène. Donc pour lui, oh, j'ai omis de montrer pour l'autre. Lui, ici, voici la sortie inspiration, c'est-à-dire l'oxygène qui va dans les poumons du patient. Voici la sortie expiration, c'est-à-dire pour l'air qui ressort des poumons du patient. C'est pas ici qu'ils entrent pour en fait ressortir. Et j'ai même omis de vous montrer encore un certain nombre de choses. C'est que avant de le faire, il y a également des filtres antibactériens. Oh là là, j'ai vraiment omis de vous le dire. C'est qu'il y a aussi des filtres antibactériens, n'est-ce pas, normalement, qu'on met à ce niveau-ci là. Ok, je vais regarder un là, je ne sais pas si il y en a encore un disponible là. Là, c'est que je vais le mettre là et vous verrez. Donc, avant de mettre comme s'il y a des filtres antibactériens qui empêchent aux bactéries qui sortent du patient, n'est-ce pas, de pouvoir pénétrer dans la machine pour ne pas infecter le circuit d'oxygène. Donc, il y a, normalement, on en met deux. Donc, on met un là et on met un autre là sur ces deux, le circuit inspiration et expiration pour protéger en fait. Donc, j'avais omis et je pense que ce serait clair pour vous de le comprendre. Si j'en trouve un là, je vais vous le montrer. Je ne sais pas, je ne l'ai pas porté demain, mais si je le trouve, je vais vous le montrer. Voilà, parfait. Voilà, en voici un. Voilà, sur celui-ci, il y en a. Donc, voici donc un filtre antibactérien. Donc, voici donc la sortie inspiration, c'est-à-dire l'oxygène qui sort pour entrer chez le patient. Donc, il va donc passer par la même tuyauterie comme nous avons expliqué tout à l'heure. Il viendra se faire humidifier à ce niveau-ci. Et il va donc ressortir pour venir ici. Voici donc la sortie expiration. Et c'est au niveau donc de la sortie expiration, vous voyez là, c'est l'air qui ressort du malade. Et là, nous avons donc le filtre antibactérien. Voilà, je vais l'ouvrir. Vous allez le voir. Oui, je vais l'ouvrir, vous allez le voir très bien, vous voyez, très bien, voici donc ça, voilà. Voilà donc le filtre antibactérien dont je parlais, dont j'ai omis en fait de vous le montrer ici. Donc ça veut dire, normalement, on a comme ceci, on le met principalement, généralement, au niveau de la cette sortie ici. Et puis lui, il vient donc se brancher comme ceci. Vous voyez, lui, il permet de protéger en fait, pour que l'air qui ressort des poumons du patient, même si le malade est infecté, que cela ne retourne pas en fait contaminé au sud de la suite de la machine. Vous comprenez? Donc voilà donc comment est-ce qu'il se branche donc à ce niveau. Parfait, parfait, parfait. Donc là, je pense que vous avez bien compris. Voilà donc comment est-ce qu'un filtre antibactérien se branche. Donc je vais le reconnaître ici. Là, c'est parce que je veux faire la vidéo pour vous montrer simplement. Donc lui, je vais le remettre à ce niveau-ci. Donc vous voyez, voilà donc un filtre antibactérien. Parfait. Je suis content comme il y en avait encore même un là. Voilà. Et vous avez pu voir donc lui, il s'est fait dans là. Très bien. Donc c'est fait que la machine, elle est protégée. Et là, en fait, ici, comme je le disais tantôt, là, elle est tactile. Donc ici on peut donc sélectionner en fait les différentes valeurs qu'on veut, les différents modes ventilatoires que l'on veut. Ok, on va ressortir de là. Très bien, parfait. Et là voici son trépied, je sais pas moi, ça, une sorte de potence qui permet, n'est-ce pas, de maintenir la tuyauterie. Et enfin celui-ci, donc lui je lui éteins parce qu'il faisait un peu de bruit et il a nous empêché de finir la vidéo comme je n'ai pas connecté toute la tuyauterie. Ok, je l'allume. Très bien. Oh, ok, 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 ok. Avant de continuer, à l'arrière aussi, je voulais vous montrer. Ok, lui, j'ai omis de vous le dire. C'est que lui, ici, à l'arrière, très bien, vous voyez. Donc, voilà dans les différents connectiques. Vous voyez ici, parfait. C'est aussi des normes françaises. Hein. Oh là là, comme je l'ai allumé. Vous voyez, il signale des erreurs. Donc, je vais d'abord le mettre en off. Très bien. Très bien. Donc, désolé, hein, s'il y a des erreurs là-bas parce qu'il n'y a pas des choses branchées là, c'est pour ça qu'il dit toutes ces erreurs. Donc, vous voyez ici, c'est donc la prise d'oxygène de normes françaises. Et ici, il a la prise d'air. Voilà, vous voyez ça, tu vois, c'est la prise d'air. Vous voyez, voilà, voilà, ça inscrit là. Je sais pas, voilà. Vous voyez là, c'est inscrit air.
Très bien. Là, vous voyez, c'est inscrit air. Et pour ici, c'est pour l'oxygène. OK? Donc, ça veut dire que lorsqu'on veut brancher l'oxygène, les papes, on le branche, il prend de l'oxygène et il va compléter la suite par de l'air. Et là, c'est un filtre, en fait, qui permet de filtrer. Et lui, c'est lui donc qui est donc branché. Si vous voyez donc toute cette tuyauterie qui part donc là-bas, c'est lui qui est donc branché ici. Très bien. Ça veut dire que lorsqu'on veut brancher pour l'oxygène, on mettra l'oxygène là et on mettra l'air à ce niveau-ci, vous voyez? C'est de l'air, si je montre en haut, air, ok, et là voilà l'oxygène. Lorsqu'on branche l'oxygène là, il va prendre de l'oxygène, prendre aussi de l'air, et lui-même ici, en fonction des paramètres que qu'aura indiqué, que le médecin aura indiqué à l'intérieur, alors lui, il les associera. Donc si le malade, si le médecin dit par exemple 80% d'oxygène, alors il va donc prendre 80% d'oxygène et les autres 20%, il va le compléter avec de l'air. Ok, là voilà dans les autres ports, le port RJ45, le bouton, je vais dire le câble d'alimentation, le bouton power, le ventilateur pour refroidir. Parfait, parfait, parfait. Et enfin, donc maintenant, sur ce dernier-ci. Et voici en fait la machine également. Cette machine-ci, elle est de norme coréenne. Ok, c'est une marque Mekan. Ça, c'est une machine coréenne. Ok, elle est coréenne. Et nous l'avons coréenne. Pourquoi? Parce que nous avons des prises d'oxygène de marque coréenne, de norme coréenne. Très bien, très bien, très bien. Et lui aussi, il est très, très utile. Il n'est pas tactile du tout, oui. Et là, voilà, il nous affiche, mais il y a deux erreurs là. Il dit. Air fail, oxygène fail, c'est normal tout simplement parce qu'on n'a pas branché ni air ni oxygène, donc c'est tout à fait normal à ce niveau. Donc là, c'est le panneau de contrôle où il nous affiche donc toutes les informations, que ce soit le pourcentage d'oxygène qu'on a réglé. Là, c'est les paramètres qu'on a introduit, hein, mais là, il nous dit que c'est fail parce qu'il n'y a rien du tout. Parfait, parfait. Ici, c'est donc là où ils ont nous affiché, n'est-ce pas, des tracés. Très bien, nous verrons tout ça la prochaine fois où nous serons avec le spécialiste. Il va nous montrer tout à l'intérieur de manière à ce que même si que vous soyez étudiant en maintenance ou bien à médecine, infirmier, tout ça, vous serez à mesure vous-même de pouvoir prendre en main un respirateur, de pouvoir le calibrer et le paramétrer parfaitement. À ce niveau, c'est donc que nous avons dans les boutons, le clavier et tout, lui, il permet lorsqu'on veut passer en mode manuel, parce qu'il y a également des moments où le personnel soignant veut plutôt passer en mode manuel, parce que lorsqu'on met un patient sur respirateur, il est en mode automatique, ok? Il y a des moments où on veut le faire passer en mode manuel, c'est-à-dire que c'est les médecins, les infirmiers eux-mêmes qui veulent contrôler, n'est-ce pas, la respiration, ils passent dans un mode manuel à ce niveau-ci. Ici, c'est au mode 100% oxygène, donc ça veut dire que s'il y a un problème, si par exemple on avait paramétré que le malade aura peut-être, disons, 80% d'oxygène, et ça veut dire que les 20% seront complétés par l'air, et supposons par exemple qu'il a subitement un problème d'arrêt cardiaque, je pense que vous avez même l'habitude de voir ça dans les films, on vient avec des défibrillateurs et tout ça. Alors lorsqu'on arrive dans de telles situations, que si le médecin juge que non, il faut lui administrer beaucoup plus d'oxygène très vite que de rester là pour ancrer quoi dans les paramètres de la machine pour régler, non, il appuie directement là. Lorsqu'il appuie là, la machine lui envoie 100% d'oxygène. Ça veut dire qu'il arrête de lui envoyer de l'air, il envoie que de l'oxygène à 100% pour pouvoir bien oxygéner le malade. Ici, c'est pour la nébulisation. C'est lorsqu'on veut également introduire une solution médicamenteuse à un patient pour soigner ses poumons. Ça veut dire, en plus de l'air qui monte là, on associe à cet air qui entre dans ses poumons une sorte de médicament comme un pulvérisant qui vient de pulvériser ses poumons pour soigner en fait ses poumons. Donc, celui-là, ici, c'est pour mettre en pause l'inspiration et l'expiration. Ici, c'est pour paramétrer, n'est-ce pas, stopper la lame, resetter la machine. Ici, c'est pour friser l'image. Friser l'image, ça veut dire stopper l'image. Vous voyez, lorsque j'appuie là, j'ai frisé, vous voyez que les trucs ne volent plus. Là, c'est dans le cas aussi, le personnel soignant découvre une information sur l'écran qui est très utile et qui voudrait l'étudier. Alors, ils le mettent en pause comme ceci pour pouvoir, n'est-ce pas, l'étudier. Et lorsqu'ils finissent, ils y appuient encore là. Vous voyez, il y a même le symbole là qui s'active là. Lorsqu'ils y appuient encore là, voilà, freeze. Alors, vous voyez, c'est déjà disparu et les traits peuvent continuer à évoluer. Parfait. Ici, c'est les settings. Ici, c'est pour les paramètres, n'est-ce pas, de ventilation, que ce soit la ventilation assistée par contrôle de volume, la ventilation assistée par contrôle de pression, la ventilation spontanée et tous les autres types de ventilation, modes de ventilation. Autant pour moi, le spécialiste va nous expliquer également tout cela la prochaine fois. C'est pourquoi je ne veux pas entrer là-bas. C'est pour ça que je lui ai demandé son aide pour que lui, il vienne nous expliquer cela en professionnel. OK? Donc, on va donc ressortir. Ça, c'est pour sortir. Et ici, également, c'est également les paramètres pour l'alarme. Donc, comment paramétrer les différentes alarmes. Et là, c'est l'encodeur qui nous permet en fait de sélectionner tout. Ici, c'est donc la sortie inspiration.
Donc, l'air qui va donc dans les poumons du patient, très bien. Il va donc venir se faire humidifier aussi là et se faire réchauffer là. Vous voyez, il y en a tout ça, très important. Et ça, c'est donc pour l'expiration. Donc, l'air qui reçoit des poumons du patient, c'est par là qu'il passe. Et nous avons dit, avant de le connecter là, on branche d'abord un filtre antibactérien comme celui-ci, à ce niveau-ci, avant de connecter la tuyauterie de sortie. Et ici, c'est donc la sortie de nébulisation. Donc, si on veut mettre un patient sur nébulisation, c'est là qu'il restera. Très bien. Et si on tourne donc à l'arrière, vous pouvez voir donc ici, voilà donc les deux tuyauteries d'oxygène, l'oxygène et l'air. Et ça, c'est le filtre en fait. Très bien. Et là, voilà le bouton, je vais dire le câble power qui amène la tension. Et là, c'est le bouton power, donc on-off, allumer, éteindre. Donc vous voyez là, O2, très bien. Et vous voyez ici, air. Très bien, très bien, très bien. Et voilà donc les prises en fait d'oxygène mural. Ici, ce sont les prises électriques. Vous voyez donc le rôle. Ils nous permettent en fait de directement brancher toutes ces panoplies des machines directement là. Donc, si on avait également des machines qui avaient besoin de prendre de la prise terre pour des besoins de protection supplémentaire, alors ça serait mis là. Très bien. Et là, c'est l'aspirateur. Et voilà encore notre aspirateur là qui se branche toujours. Le respirateur pourrait se brancher là. Parfait, 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 les gars. Parfait les gars, super, super, super. Et oui les gars, parvenu à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'il vous aura plu et j'espère vraiment que vous êtes déjà enfin prêts, n'est-ce pas les gars, vous comprenez, n'est-ce pas, toutes ces merveilleuses technologies, vous comprenez qu'il n'y a rien de secret là-dedans, il n'y a rien de tournant là-dedans, c'est accessible à tout le monde, c'est compréhensible, c'est facile, c'est ouf, ok les gars. Et je pense que là les gars, vous pouvez un peu évaluer un peu le gros travail que ces médecins ont, également que toute la panoplie d'ingénieurs et de techniciens ont, parce que notre travail de nous assurer que toutes ces machines fonctionnent toujours pour que médecins puissent, n'est-ce pas, sauver la vie de manière efficace. Ok les gars, donc maintenant, comme je vous ai dit, le spécialiste viendra, il va nous expliquer maintenant donc tous les autres paramètres internes. Vous avez vu que au niveau des paramètres, j'ai voulu survoler, juste j'ai pas voulu trop entrer pour raconter des bêtises, hein, ok, donc je préfère que le spécialiste vienne lui-même, il vous explique toute la technologie, toutes les constantes vitales du patient qu'il faut en tenir compte. Et les gars, et ça va vraiment vous aider, donc laissez des pouces, laissez des commentaires, abonnez-vous massivement les gars, laissez-moi des commentaires parce que j'irai lui montrer en fait cette vidéo. Après je vais lui dire vraiment doc, tout le monde vous attend, venez doc, venez, et il viendra, n'est-ce pas. Et cette vidéo, je crois qu'elle sera vraiment de ouf et ça pourra énormément vous aider. Donc ces informations, si vous ne le trouverez nulle part ailleurs sur internet, nulle part ailleurs, parce que je pense même que lorsque le spécialiste viendra, il vous le dira, ce sont des formations que même ici nous avons eu à faire, ça a coûté énormément, beaucoup d'argent pour former en fait des gens comme ici. Et voilà les gars, je viens vous balancer tout gratos sur YouTube. Alors toute ma seule récompense que je vous demande, abonnez-vous, likez, partagez et suivez-nous dans cette grande aventure. Et j'espère vraiment les gars que cela vous aura plu. Et nous on se dit à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez surtout pas, ne jamais oublier cela, c'est la règle sur African Tech. Il faut toujours sortir, faire des vidéos, poser des actions, poser des techniques, faire des actions et sauver des vies. Alors nous on se dit à la prochaine vidéo.